Bonjour. Alors voilà, donc je viens de finir l'oral des TPE. Donc voilà, hein, c'est bien passé. Donc en gros, j'explique pour ceux qui ne se rappellent plus ou ceux qui ne sont pas encore à ce stade-là de la vie. Tu es face à un jury de personnes et en fait, tu dois parler de ton TPE. Alors moi, j'ai choisi un super sujet, donc je vois. Pourquoi? Et donc, avec un petit groupe, on a choisi de faire une pièce de théâtre. Donc alors, on arrive devant le jury. En fait, donc je vous explique vite. Il y a deux parties. Il y a la partie où d'abord, on fait notre petite... On parle de tout le TPE, de ce qu'on a vécu, de nos motivations, tout ça. Et on peut le faire sous forme quelconque, soit banale, soit un petit truc marrant pour déconner. Et ensuite, il y a l'entretien avec... Oui ? Je m'en vais. Ok. Et après, il te parle sur son... Il te pose des questions, en fait, sur le sujet. Alors nous, on avait choisi de faire une petite pièce de théâtre, comme, pour s'amuser, quoi. Et je pense que le pire, en fait, quand tu passes devant les jurys, c'est quand tu fais des blagues. Et que, en fait, ils rigolent pas. Alors voilà, le mythe de Don Juan est né en juin. Don Juan, juin. Donc il y a cette catégorie de jury, ceux qui ne rigolent à rien. Et il y a la deuxième catégorie, ceux qui en ont rien à foutre de ce que tu dis. Alors Don Juan a été créé par Tirso de Molina en Espagne. Ça habite... Merde... Salope, connard, connasse. Quoi? Alors bien sûr, après il pose des questions hein, sur le sujet. Des questions que en fait tu sais pas d'où elles viennent. Bon bah voilà, je crois que voilà, j'ai fini. Oui bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Mais alors est-ce que vous pensez qu'à l'acte 2, scène 4, y aurait-il une part de Molière, d'ironie par exemple, quelque chose de fait exprès, de quelque chose de volontaire de la part de Molière, pour en fait arrondir les fins inattendues que vont suivre dans ces autres pièces de théâtre? J'ai pas compris la question. Alors bien sûr, quand tu sors, t'es soit... Sinon, après, c'est vrai que t'es super relax, quoi. Y'a juste le bac blanc qui t'attend. Et voilà, quoi. Mais... Enfin bref, pour dire que les TPE, c'est sympa, hein. C'est quelque chose d'unique, au moins. On en refait pas deux fois dans sa vie. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut retiendre? Que les jurys sont pas drôles. Et pour avoir des points, faut faire un truc super basique et pas se casser la tête. Au moins comme ça vous montrez que vous avez pas du tout d'imagination, c'est génial. Donc voilà, c'était un petit podcast, mon premier. Oui, je m'inspire librement de Norman fait des vidéos ou d'autres podcasts comme ça. Et je ne le cache pas. Je pense pas que je vais atteindre autant de vues que Norman ou que d'autres podcasteurs comme ça. Podcasteurs ? Mais bon, je pense au moins atteindre les 1 million. Tu déconnes là ? Enfin, il y a qui va voir ça ? Bah déjà, il y a ma mère. Ensuite, il y a moi. Bon bah voilà. Salut.